Quiz. Pour moi, ça. Mon cœur est tôt. Tu n'es pas désolé. C'est toujours ma faute. Non. Encore une chance sur toi. Oui, encore une autre. Tout tourne autour de toi. T'es pas comme les autres. Waouh. Ça, vous l'aviez jamais vu? Non. Jamais. Bah oui. Wow. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Élise. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Ok, je peux poser d'autres questions, plein d'autres questions. Oui, bien sûr. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en agriculture, agroalimentaire, environnement. Rien à voir avec la musique. Mais tu fais de la musique forcément, en mode sérieusement à côté? Pas vraiment, pas très très sérieusement non. Ok, bon, je me lance. Je me lance parce que je suis très touché. J'étais dans une légèreté, tu vois, et puis tu m'as rappelé pourquoi j'avais envie d'être là. Parce qu'on rencontre des choses qui nous bouleversent vraiment. Et bon, comme t'as 22 ans, que c'est pas encore ton métier, je te dis juste du fond du cœur, s'il te plaît, continue de chanter, d'exister, de nous proposer des choses, parce que tu nous fais beaucoup de bien. Et où que tu ailles, je pense qu'on a beaucoup de chance, c'est tout ce que j'ai à te dire, et à te remercier, voilà, parce que j'ai passé un moment incroyable. Ah, merci à vous. C'est tout. Pendant toute la prestation, je me disais, elle chante comme un funambule. T'étais sur un fil, en fait, et je trouve que tu te baladais à la fois dans l'histoire, entre... quelque chose d'hyper solaire, joyeux et une profonde mélancolie. Et ça matchait complètement avec ce qui se passait aussi dans ta voix. Parce qu'on entendait vraiment tes registres vocaux changer. C'est-à-dire que tu passes très étrangement, au bon sens du terme, entre ta voix de poitrine et ta voix de tête. On entend ton passage. Parfois, il est un peu fébrile. On a limite envie pas que ça change et que tu viennes interpréter des grands textes comme celui d'Isolde avec justement ton jeu de funambule qui est assez inédit. Bravo, bravo, bravo. Merci vraiment.